Bon, mettons, t'as deux portes. T'es obligé d'en ouvrir une, sinon tu meurs. Alors, derrière la première, t'es obligé de renifler un bel Louis-Nicolin. Et derrière la deuxième, t'es obligé d'écouter tous les albums de Vianney sans t'arrêter. Enfin, la discographie de Vianney pèse pas encore bien lourd. Ouais. Bon, alors t'es obligé de te taper tous les albums de Maître Gims d'un coup. La vache. Là, t'es salaud, Hervé. Alors, quelle porte tu choisis? T'es obligé de choisir. Choisis de mourir. Bah non, c'est pas drôle. C'est dans le choix que tu proposes, j'y peux rien. Ouais. Mais c'est pour l'énoncé du problème. Pour faire un truc genre... T'es obligé d'ouvrir une porte. Ah, ok. 2, 3, 4. Donc, on a le choix entre mourir et ouvrir une porte. On n'a pas le droit de choisir la mort. Ouais, voilà. On n'a pas trop le choix du coup. T'as quand même le choix entre les deux portes. Bon, disons qu'en fait, t'as toujours les deux portes et que si tu choisis pas, il y a un robot qui prend ta main avec son bras télescopique super puissant et qui t'oblige à ouvrir une des deux portes. On oublie la mort. Ouais. C'est chaud là. Alors, quelle porte tu choisis? Attends, je réfléchis. Même temps, c'est facile. Je prends le pet de Louis-Nicolas. Normal. Enfin, c'est Louis-Nicolin qui sort du flunch, hein, je te préviens. En entrée, cassoulet, plat de résistance, gratin de chou-fleur, et un gros claquage pour le fromage. Cassoulet en entrée. C'est pas interdit. Et puis, c'est Louis-Nicolin, je te rappelle. C'est pas vraiment une entrée du cassoulet. Ouais, mais du cassoulet froid. Ah ok. Mais il n'y a jamais de gratin de chou-fleur à Flunch? Ouais. Mais mettons, ce serait la semaine du goût. Du gratin de chou-fleur pour la semaine du goût. Ils sont pas chiés chez Flunch. Et puis Louis-Nicolin qui se fait un Flunch tranquillou pour la semaine du goût. La classe. Alors, quelle porte? Il prend pas de dessert au fait? Ben non, t'es maso. Ça te suffit pas déjà? Par contre, je te préviens, il s'est enfilé une bouteille de pif et 1 litre de Perrier. Ouais, mais Louis-Nicolas quand même, y a pas photo. Ouais, j'avoue, c'était trop facile. Alors attends. Toujours les deux portes, le robot, tout ça. Sauf que derrière la première porte, tu dois prendre l'apéro avec Céline Dion. Ah ouais, merde. Mais juste un verre ou... Non, au moins 2 heures. Ok. Une cuite quoi. Non, au moins 2 heures et t'as pas le droit de boire plus de 2 verres. Ben ça a intérêt d'être de l'agnole bien forte les verres. Et derrière la deuxième porte... Ben, toujours les disques de Maître Gims. Ah non, pas encore, c'est dégueulasse. Je vais être obligé de boire l'apéro avec Céline Dion, c'est pas cool. Bon, d'accord. Ah. C'est peut-être Céline Dion? Oh merde, putain. C'est Séverine. Merde, putain, qu'est-ce que je fais? Ah merde. Bah, va lui ouvrir. Je suis en short, merde. Tiens, prends mon pantalon. Oh merci, Hervé. S'il te plaît, file-moi ta chemise.
Ah tiens, Séverine. Salut. Bonjour Patrick. Tu vas bien? Je sais pas. Oui. Je te dérange pas? Ah non, pas du tout. Je suis avec un pote. On est posé, tranquille. On fait des devinettes. Ah, c'est cool. Ouais, tranquille quoi. Posé, on fait des devinettes. Moi, je devais sortir en ville ce soir, mais c'est annulé. Fait chier. Du coup, je suis toute seule, chez moi. C'est la galère quand la soirée elle a annulé comme ça. Nous, posés, tranquilles, devinettes. Je déteste être seule le vendredi soir, chez moi, toute seule. Ah bah moi aussi, je te comprends trop. Et ils t'ont prévenu au fait? Ben oui. Ah oui. Sinon, t'y serais allé. Puis tu les aurais pas vus en plus. Je te ramène les filtres à café au fait. Pour ceux que tu m'avais filés l'autre fois. Je t'en ai jamais filé. Si, si. Ah non, je m'en souviendrai. J'ai froid dans ce couloir, c'est terrible. Il caille toujours sur ce palier. Tu veux que je te prête une veste? Non, j'en ai chez moi. Bon. Je boirais bien un petit verre en fait. J'ai un peu soif, on est vendredi soir. Oui, je suis con. Désolé. Tu veux que je te dépanne une bière? Tu m'offres une bière? Je vais pas te la faire payer en plus. Attends, je vais te chercher ça. Bon, ça dérange si je la bois avec vous? Chez moi? Oui, pas chez moi. Ah mais non, pas du tout. Au contraire. Au contraire, mais au contraire. Par contre, je te préviens, j'ai que de la 8-6. Salut. Bonsoir, enchanté. Hervé, Séverine, Séverine, Hervé. Au fait, j'ai trouvé Hein? un point dans le cul. Quoi? La deuxième porte. La première, apéro avec Céline Dion. La deuxième, un point dans le cul. Choisis laquelle? Un point dans le cul.